Ouais, mais Turco, oui, on a pris des points, mais on reste sur 3 matchs nuls d'affilée. Il va falloir appuyer sur le curseur pour prendre les 3 points, parce que si on veut rester collé avec les équipes qui sont devant nous, aujourd'hui c'est 4 points d'avance, il faut rester à contact, et derrière il y aura des confrontations. Mais quand tu es mené au score et que tu reviens, c'est toujours, tu dis que c'est une bonne chose. Après, je pense qu'on a les balles, on a 2 balles minimum net première mi-temps pour finir, pour marquer. Et si on score avant, je pense que ça aurait été un peu plus difficile pour eux, quoi. Mais on n'a pas scoré. C'est eux qui ont scoré avant nous et on a eu le mérite de revenir. Après, c'est sûr qu'on aurait préféré gagner. Pour rester au contact. Non, mais tous les matchs, on le voit aujourd'hui, il reste 9 matchs, ça va être difficile pour. Tous les matchs vont être difficiles. Hein, il y en a qui jouent leur survie, il y en a qui jouent le haut du tableau. Tous les matchs vont être âpres, hein, ça va être serré. À nous d'en gagner le maximum si on veut prétendre accrocher cette cinquième place. Parce qu'il y a des équipes qui sont devant nous aujourd'hui et il faut d'abord les rattraper, quoi. Bah, ça dépend. Il y a des matchs où on a joué des équipes qui étaient bas et on a réussi à déverrouiller à travers les coups de pied arrêtés, à travers du jeu placé. On est en capacité de le faire. Après, je te dis, après c'est que il y a des jours où tu es moins juste, tu es moins précis et tu n'arrives pas à te créer des situations où tu finis pas les actions parce que tu marques pas, parce que t'as pas l'efficacité qu'il faut. C'est à nous de trouver le juste milieu pour gagner ces matchs. Ouais. Bah, le mental, mentalement, il faut avoir le mental pour s'arracher collectivement et je te dis, et le niveau de chaque joueur, il faut qu'il soit au maximum pour que le collectif soit bon. Ouais, il va falloir que tout le monde soit au top pour qu'on soit bon. Oui, mais on en parle, bien sûr qu'on en parle. Après, tu contrôles pas tout, hein. Après, c'est les joueurs eux-mêmes qui doivent se prendre en charge et s'ils veulent qu'on gagne des matchs, il faut que tout le monde soit en forme et que tout le monde soit bon sur le terrain. Et ça passe par, bien sûr, le travail invisible et le travail sur le terrain. Le professionnalisme qu'il doit avoir pour être performant. Mais pas faire, c'est quand on va avoir des week-ends la semaine prochaine, voilà, de rester tranquille. De pas aller dans des endroits clos avec beaucoup de monde. Voilà, c'est surtout ceux qui n'ont pas eu le Covid, faut qu'ils soient vigilants. Mais là, je vois Saint-Étienne, ils perdent 3 joueurs aujourd'hui. C'est quand tu joues, tu as des matchs importants qui arrivent. Voilà, on a le championnat, on a la coupe, et les 2 derniers mois là qui arrivent. J'espère qu'on va jouer 6-7 matchs par mois. Ça veut dire qu'on va jouer tous les 3 jours. Il va falloir que tout le monde soit au top niveau. Bah, ça va nous permettre de régénérer certains et de travailler aussi, parce qu'il va falloir travailler pour garder le rythme et remplir certains joueurs. Voilà, pour que les 2 mois qui restent, tout le monde soit à un bon niveau. Hein. Non. Non, il y aura quelques jeunes qui iront jouer avec la réserve. Ils jouent contre Bordeaux samedi prochain. J'ai Romain Pitot qui m'a. Il y a quelques joueurs qui iront jouer. Et après le reste, on va travailler ensemble. C'est ici ou c'est là-bas? Non, c'est entre Bordeaux et. Ils font mi-chemin, je crois. Là, j'en sais rien. Après, c'est. Est-ce que lui il a envie? Est-ce que le club a envie? Voilà, à un moment donné, il va bien falloir qu'il s'arrête. Mais c'est vrai que
Aujourd'hui, là, il est performant. Il joue parce qu'il est performant, et sinon il ne jouerait pas. Surprise. Non, mais il nous surprend tous les jours. Voilà, c'est un garçon. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont 43 ans et ils sont encore sur le terrain et qui sont performants. Et lui, il est toujours parce qu'il s'entraîne bien, il récupère bien, et voilà, il a la santé. Il a la santé et puis il a une tête pour bien anticiper les choses. Non, mais il est comme tout attaquant. Ils ont des cycles où ils sont moins bien, ils sont moins performants. Il fait quand même une bonne saison quand même. Il est rendu à 9 buts, je crois. 9 buts, il a 7 passes décisives. C'est des bons ratios pour un attaquant. Voilà, il reste 9 matchs et j'espère qu'il va nous marquer 9 buts encore. Ouais, oui, mais on joue à trois attaquants maintenant. Ils jouent plus sur le côté, mais on leur demande de se réaxer pour aller devant le but. Quand ça déborde d'un côté, il faut qu'ils soient devant le but. Là, quand on joue avec Andy, il faut qu'ils se rapprochent aussi pour combiner. Là, ils sont pas figés à rester sur le côté. Ils ont la liberté de bouger, de changer de côté, de se retrouver devant le but. Il a une passe où il a moins marqué, mais moi je pense qu'il va remarquer des buts. En plus, si on joue Bordeaux là, il a envie de scorer contre son ancienne équipe. Ben ouais, bien sûr que je suis satisfait de lui, je suis satisfait de tous mes joueurs. Après, on leur demande toujours d'être au top niveau et on sait pertinemment que on voit même les grands joueurs et ils ne sont pas tout le temps au top niveau. Il y a des moments où ils sont moins bien que d'autres et à eux de tout faire, ce qu'on a parlé tout à l'heure, hein, pendant la semaine dans le travail et le travail invisible pour être au top dans la compète. Hein. Ben, je ne sais pas, je pense qu'il a pris conscience déjà. Peut-être au travail invisible et puis surtout au travail au journalier sur le terrain. Il a changé surtout à ce niveau-là, qu'il a changé de mentalité de travail. Il n'était pas dans ça au départ. Hein. Tu penses que c'est le fait d'avoir eu le Covid qui a eu Je le sais pas, déclic? mais je sais pas. Je pense qu'il y a peut-être son entourage aussi qui ont fait comprendre aussi qu'il fallait qu'il. Il change, on y a répété plusieurs fois aussi. Il fallait qu'il change sa façon de travailler. Si vous voulez être performant, il faut mettre de la vérité en semaine pour le faire en week-end. Hein. Aujourd'hui, te surprend même au niveau où vous êtes? Mais il a progressé dans beaucoup de domaines. Il a encore beaucoup de choses à travailler encore. Et il a encore, c'est un jeune joueur. Il a. À lui de se donner les moyens, s'il veut aller encore plus haut, et son jeu sans ballon, il faut qu'il soit encore meilleur, qu'il défende encore mieux. Voilà. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Il en est conscient. Et il faut qu'il arrive à progresser encore. Hein. J'en sais rien. Alors, ça, c'est lui qui nous le dira plus tard. Qui nous fera parler plus tard. Et pour l'instant, il a encore du boulot. À lui d'être constant, de continuer à, je te dis, à mieux défendre. Et voilà, la concentration, après son jeu sans ballon, quand il veut attaquer, il faut qu'il soit un peu plus en mouvement. Qu'il déclenche pas avec le ballon. Avec le ballon, il déclenche des bonnes choses. Et sans ballon, il faut qu'il déclenche autre chose. Mais on ne sait pas hein, si Ben Arfa il sera là ou pas. Il n'était pas là la semaine dernière. Pour quelle raison, on ne sait pas. Est-ce que c'est blessure? Est-ce que c'est parce qu'il a écarté? Je ne sais pas. On verra. On verra quoi qu'il arrive, on va jouer une équipe qui est une bonne équipe, qui a un bel effectif, voilà, qui a des bons joueurs. À nous de maîtriser notre jeu, à nous de. D'être bon dans ce qu'on a à faire, que ce soit offensivement, que ce soit défensivement.
pour gagner ce match. Comme on l'a dit tout à l'heure, si on veut vouloir exister encore dans la bataille pour la cinquième place, il faut gagner. Ah ouais, parce qu'il a cette capacité à éliminer, à pouvoir se créer des situations individuellement. Ah, c'est un joueur qui a du talent. On verra si il sera avec eux ou pas. Ouais, mais là, ils viennent de gagner 3-1 à Dijon, même si Dijon, ils sont en grosse difficulté aussi. Mais nous, on n'a pas gagné Dijon là-bas. Hein. On avait fait 2-2.